Ah, où te caches-tu? Dans ce placard. J'espère que Siwon Ed n'a pas fait de mal à Clara. Tu sais ce qui lui est arrivé, toi? Non. Mais t'es où, là? Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Oh, quelle heure il est? Déjà 11h. Je me lève encore super tard. J'aurais pas dû construire cette cabane jusqu'à 2h du matin. Je savais que ça allait terminer comme ça. Bon, allez, je vais sortir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a du papier toilette? Il y a quelqu'un? Eh oh! Dans la cuisine, peut-être? Eh oh, mais il y a quelqu'un? Vous m'entendez pas? C'est quoi ça? Je m'en laissais toute seule encore une fois. Ah, peut-être dans mon lit. Non, encore personne. J'en ai marre. Bon, Esteban, je sais que t'es là. Et d'ailleurs, pourquoi t'as mis du papier de toilette partout? J'y crois pas. Ils m'ont laissée toute seule. Mais je vais quand même voir parce que cette histoire de papier de toilette, c'est bizarre. Mais je vais voir jusqu'où ça va mener. Bon, allez, je vais voir où ça mène là, ce papier de toilette. Quoi? Ça mène en dehors de l'appartement? Mais pourquoi? Je comprends pas. Ça veut dire qu'ils sont bien sortis. Ça continue. Quoi? Ça mène à un placard, mais j'y suis jamais allée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce placard? C'est horrible! C'est horrible! Lily Rose. Mais qu'est-ce que c'était ça? Esteban, il y avait Esteban là-bas, oui. Il bougeait plus et il était comme un monstre comme ça. C'est quoi ça? On dirait la voix d'Esteban. J'espère que j'ai pas réveillé de démons ou de fantômes. Ouh là 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 là, j'ai peur. Bon allez, je vais me cacher avec mes couvertures et mes doudous. En plus, j'espère qu'il va pas rentrer parce que la porte elle est ouverte. Oh non, il est là. Oh non, j'espère qu'il ne vient pas me chercher. Lily Rose. Lily Rose. Lily Rose. Non, 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 non. Je veux pas te voir. Non, 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 je veux pas te voir. Non, non. Où te caches-tu? Tu vas voir. Siren Head va te piéger. À bientôt. Mais qu'est-ce que tu veux, Esteban? Moi, j'étais là toute seule et apparemment, il y a des gens qui veulent me piéger. Bon, ça sert à rien. Il est parti et il est plus comme il était avant. Je suis tellement triste. Bon, je vais appeler Clara, ma demi-sœur. C'est la seule qui pourra m'aider. Quoi? Un message de Siren Head? C'est qui, lui? Rendez-vous dans la forêt près de chez ta demi-sœur? Mais quoi? C'est quoi cette histoire encore? Bon allez, j'ai plus qu'une chose à faire. Je vais aller au rendez-vous de Sargon Says. De toute façon, bah, je crois que c'est lui qui a fait qu'Esteban y est comme ça. Ça se trouve, si j'y vais, moi aussi je vais devenir comme Esteban. Je sais pas quoi faire. Bon allez, j'y vais. J'ai trop peur de ce couloir. Oh là là, je déteste en plus. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Lily Rose. Pas joie, il faut que je passe par là pour aller voir Siren Head. Bon, allez. C'est quoi ça? Esteban, qu'est-ce que tu fais là? Bon, j'ai pas le choix, il faut que je passe. A few moments later. Bon, c'est bon, je suis bien arrivée, mais je vois personne. Je vais aller chez Clara parce que j'ai un petit peu peur. Et en plus, c'est compliqué d'y aller à pied là, il y a plein d'herbes partout. Attends, mais c'est quoi ça? C'est le chien de Clara? Peut-être que Clara a été piégée et que Simon Hay l'a capturé et a gardé son chien ici. Il faut vraiment que je ramène son chien à sa maison. Allez vite, il faut que j'y aille. Allez, viens tout de suite. Oh, j'espère que Siwon Head n'a pas fait de mal à Clara. Tu sais ce qui lui est arrivé, toi? Ah oui, je sais, si t'es là, c'est que il est arrivé un truc à Clara. Mais allez, je vais te ramener chez toi. Allez, viens. Oh, mon pauvre, ma pauvre. Allez, viens, vite.
Ça y est, tout le monde a disparu. Clara a disparu, Esteban a disparu, même ma maman a disparu. Maintenant, il reste plus que Betty et je crois, bah, que je suis seule du coup. Qu'est-ce qui se passe? Non, reviens. Oh, elle arrête pas de tirer. Non, Betty, elle s'enfuit. Non, reviens, reviens. Non, je la vois plus. Je suis vraiment toute seule maintenant. Mais comment je vais faire? Je sais même pas où il est, Siren Hell. Je sais plus quoi faire maintenant, je suis toute seule. Quoi? La sonnerie de mon téléphone, elle est actionnée. Mais j'ai plus personne pourtant. Oh non, c'est Siren Head. Allô? Allô? Ma petite. Oui. J'ai pris toute ta famille. Oui, j'ai bien vu. Maintenant, la prochaine sur la liste, c'est bien toi. Non. Mais t'es où là? Au revoir. Quoi? Mais c'est quoi ça? Je suis emprisonnée, je sais même pas où aller. Faut vraiment que je me cache quelque part. Oh là là, je sais pas comment faire. Oh punaise. Bon, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour dormir cette nuit et surtout pour me cacher et je reprendrai mes recherches demain. Bah, Betty, qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es arrivée là? T'as fait beaucoup de marches. Bon allez, je vais quand même aller essayer d'aller sonner chez Clara. Avec un peu de chance, il y aura quelqu'un. Hein, Betty? Ah oui, je sais. Allez vite, on y va. Bon, je vais quand même attendre devant la porte en espérant que je vais pas me faire capturer par je ne sais qui, enfin si, par Siren Head. Oui, c'est chez moi. C'est chez moi, oui, je reconnais. Je reconnais. Oh, mais Betty parle. Ce monde est vraiment de plus en plus bizarre. Oui, je parle depuis la vidéo que tu as fait avec moi. Ben, j'ai appris à parler. Ah, Lily Rose, n'aie pas peur. Oh non, Esteban est là. Enfin, ce qu'il reste d'Esteban. Je me suis fait capturer par Siren Head. Et elle m'a mis du papier toilette autour de la tête. Et du coup, je suis totalement bizarre. Ah ouais, trop cool, ça va, t'es guéri. Mais qu'est-ce qu'elle t'avait fait en fait? Elle m'avait enfermé dans le placard là de l'appartement. Je sais pas comment t'expliquer, je me souviens pas très bien. Mais je pense que là, elle a capturé 2-3 autres personnes de notre famille. Donc on devrait faire très attention. Surtout à toi, parce que c'est toi qu'elle cherche. Ah bon? Vite, il faut que je parte. Allez, viens, Betty, dépêche-toi. A few moments later. Mais j'ai rêvé d'un truc bizarre de Siren, je sais plus quoi là. Esteban, Mama Pink, vous êtes là? Bon, ils doivent sûrement être là, c'est juste qu'ils sont pas encore réveillés. Ah, je suis contente, mais par contre, ce rêve, il était vraiment très bizarre. Ah, j'ai vraiment mal dormi. Oh, un bout de papier toilette! Non! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker. Attention, clique sur une vidéo qui apparaît. Oui! Et mets un like aussi. Abonne-toi, active la cloche. Oui, la cloche. Et surtout, regarde une de nos vidéos.